LifeLus, c'est une société qui développe une solution pour les seniors à domicile avec une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle va être capable de détecter automatiquement des problèmes d'activité, de sécurité ou de santé. Le CES Sunbelt est pour nous une opportunité de rencontrer des professionnels et des journalistes pour commencer à communiquer autour de notre solution. Et ça nous permettra à terme de rencontrer, d'avoir une belle visibilité et de rencontrer des partenaires de commercialisation ou des partenaires techniques. Alors Majomo, c'est un badge connecté sur lequel on peut envoyer n'importe quelle image qui permet de sortir du lot et qui permet d'afficher ses idées, ses volontés, sa marque, son logo. Donc on le paramètre avec un smartphone connecté en Bluetooth ou avec n'importe quel appareil connecté en Wi-Fi. Et les images arrivent directement sur Majomo. Alors aujourd'hui, le CES Unveiled pour nous, c'est une formidable vitrine. Ça nous permet de showcaser, de montrer notre produit en avant-première, puisque certains prototypes qu'on présente aujourd'hui n'ont jamais été montrés auparavant. Et ça permet de nouer des contacts plus forts avec les personnes que l'on connaît déjà et de rencontrer de nouvelles personnes qui sont d'ores et déjà intéressées par Majomo. Silent Space est une solution développée que nous avons imaginée et qui permet de travailler et de réduire l'intensité de la parole et des conversations et des bruits dérangeants en open space. Pour nous, l'intérêt du CES à Las Vegas, c'est incontestablement d'avoir une vitrine sur le monde, d'avoir une possibilité ainsi d'être mieux connu et de pouvoir être davantage reconnu dans notre activité, à la fois en Europe, en France et bien évidemment aux États-Unis. Mixity a conçu un nouveau produit qui s'appelle le Mixipod, qui est cette enceinte modulaire qui permet de gérer toute la partie smart home et IoT dans l'habitat. Avec une petite particularité, c'est qu'on a aussi de la reconnaissance vocale, donc tout est entièrement pilotable par la voix. Donc le CES Unveiled, c'est un tremplin pour nous. C'est de la visibilité, bien évidemment, et puis on est particulièrement satisfait puisque au CES Unveiled a été annoncé qu'on avait un award pour notre produit Mixipod. Donc on fait partie des quelques sociétés françaises ayant reçu cet award de distinction pour la partie dans la catégorie smart home, donc on est très content. Et puis c'est une première étape, bien évidemment, avant le CES Las Vegas, donc c'est une répétition. Donc CatsPad, nous, en fait, on développe un distributeur connecté d'eau et de croquettes pour les chats. Donc le prix qu'on a reçu aujourd'hui nous permet de pouvoir accéder à une super visibilité auprès des médias, de faire parler du CatsPad. Nous, on est sur un marché qui est grand public, donc l'objectif, c'est vraiment de se faire connaître partout. Ça crée vraiment pour nous une forte crédibilité de pouvoir être accompagné et primé dans le cadre de ce programme. Très important pour nos startups qui font partie du programme French IoT d'être présentes aujourd'hui au CES Unveiled Paris. Elles sont ambassadeurs de leurs solutions, elles vont donner envie et créer l'envie de venir découvrir plus au CES Las Vegas. Donc très important, ça représente la filière française d'excellence dans le domaine de l'IoT et donc des nouveaux services connectés. Pour stimuler les usages autour de l'IoT, La Poste se positionne avec son hub numérique et se positionne en partenaire business, hub numérique et French IoT, un programme dédié à l'innovation.